Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un petit tarot qui est normalement dans une petite boîte également et qui s'appelle Tarot de Complete Kit, enfin le kit complet en français. Et je n'ai que les cartes parce que c'est un tarot qui, à ma connaissance, n'est plus édité. Et j'ai réussi à le trouver vraiment pas cher, sauf qu'il n'y avait pas donc ni la boîte, ni le petit livret qui l'accompagne, sachant que c'était plus un gadget qu'autre chose au niveau du livret. Je tiens à vous présenter ces cartes, malgré tout, parce qu'elles sont très très chouettes. Alors, le format, c'est un format très petit. Il est tout mignon ce jeu. Il est petit donc. On peut lire les cartes en droit en vert. Les cartes sont d'excellente qualité. Elles sont légèrement plastifiées, ni trop fines, ni trop épaisses. Les tranches sont neutres. Alors, il est très facile à prendre en main, hein. Il se mélange très bien. Et puis, il s'étale très bien aussi. J'aime beaucoup le graphisme du dos. Je trouve qu'il est très chouette avec ses couleurs. Et on va avoir des illustrations minimalistes avec des codes couleurs pour les arcanes majeures comme les mineures. Et il est très très sympa. On va retrouver donc une illustration centrale. Et j'aime beaucoup l'approche également des créateurs. Je ne sais pas qui c'est, par contre, je n'ai pas réussi à identifier les auteurs. Et j'aime beaucoup donc cette approche qui est très sympa, avec donc très colorée, hein. Donc il a un côté enfantin, un peu naïf au niveau des illustrations, tout en gardant l'essence du tarot. Voilà ce 4 de pentacle qui s'en va avec son argent. Le 8 d'épée avec ses épées qui l'entourent et qui le bloquent, même qui le coupent en deux. Le 8 de pentacle avec les outils. Vraiment, il est très sympa. J'aime beaucoup. L'abondance avec le 10 de pentacle.
Le diable. Donc voilà, on a bien l'idée d'observer, de vouloir y aller avec le 3 de bâton, d'être prêt à partir, d'être dans cette dynamique. La reine de pentacle. Le 4 de coupe qui est repu, qui ne veut plus bouger, et le 7 de pentacle qui sème et qui attend la récolte. Voilà pour ces cartes qui sont très très jolies. J'aime beaucoup le côté minimaliste, les couleurs. Alors on va faire un petit tirage rapide. Voilà, une énergie du moment lorsque vous regarderez cette vidéo. Le 6 de pentacle, la générosité, le partage, le don de soi. L'abondance aussi, le bien-être, la gentillesse, la bienveillance, les échanges équitables. Voilà, dans cette énergie de générosité. Et on a la grande prêtresse en coupe, avec ce calme intérieur, cette sagesse, ce besoin d'introspection, de réflexion, d'apprendre pour cheminer vers notre moi profond. Voilà pour ce tout petit tarot qui est vraiment très très chou. Je remontre le dos, que j'aime beaucoup. Et pour conclure, ce que j'aime, c'est son format, c'est son originalité, ces illustrations et puis toutes ces couleurs qui sont très très chouettes. Même si le fond est noir, on a quelque chose de très joyeux, très dynamique. Voilà pour cette présentation de ce jeu. Alors, vous pouvez le trouver hein, sur les réseaux de vente en ligne d'occasion. Donc il est trouvable, sans problème. Reste à savoir si ce sera un prix raisonnable. Donc je répète, c'est un tarot qui s'appelle juste Tarot de The Complete Kit. Donc le kit complet. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce tarot si vous le souhaitez. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.